J'avoue, c'est de ma faute. Il y a eu méprise. Je m'excuse. Mais j'ai cru que vous l'aviez compris. J'ai confondu mesdames avec quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. Une femme que j'aimais si fort que je ne pouvais penser pouvoir un jour vivre sans elle. J'étais maladroit, peut-être même un peu agressif quand nous avons échangé tout à l'heure. C'est une histoire très douloureuse. On vivait ensemble. Elle venait de se faire licencier pour des raisons obscures. Moi, j'étais fou amoureux. Je ne voyais pas qu'elle allait mal. Mais je n'ai rien vu venir. La maison a brûlé. Mon cœur était en cendres. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Disparue. Aujourd'hui, je ne sais même pas si elle est encore en vie. Mais j'aimerais tellement parler avec elle, même si j'ai tourné la page. J'avoue, c'est ma faute. Il y a eu méprise. Je m'excuse, mais j'ai cru que vous l'aviez compris. J'ai confondu mesdames avec quelqu'un que je connais il y a longtemps. Une femme que j'aimais si fort que je ne pouvais penser pouvoir un jour vivre sans elle. J'étais maladroit. Peut-être même un peu agressif quand nous avons échangé tout à l'heure. C'est une histoire très douloureuse. On vivait ensemble. Elle venait de se faire licencier pour des raisons obscures. Moi, j'étais fou amoureux. Je ne voyais pas qu'elle allait mal. Et je n'ai rien vu venir. La maison a brûlé. Mon cœur était en cendres. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Disparue. Aujourd'hui, je ne sais même pas si elle est encore en vie. Mais j'aimerais tellement parler avec elle. Même si c'était tourner la page. J'avoue. C'est ma faute. Il y a eu méprise. Je m'excuse, mais j'ai cru que vous l'aviez compris. J'ai confondu mesdames avec quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. Une femme que j'aimais si fort que je ne pouvais penser pouvoir un jour vivre sans elle. J'étais maladroit. Peut-être même un peu agressif, quand nous avons échangé tout à l'heure. C'est une histoire très douloureuse. On vivait ensemble. Elle venait de se faire licencier pour des raisons obscures. Moi, j'étais fou amoureux. Je ne voyais pas qu'elle allait mal, mais j'ai rien vu venir. La maison a brûlé. Mon cœur était en cendres. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Disparue. Aujourd'hui, je ne sais même pas si elle est encore en vie. Mais j'aimerais tellement parler avec elle. Même si j'ai tourné la page.